avec les cris de joie et de victoire. Jésus de Nazareth, avec les pas de danse, un peu pour Jésus-Christ. Avec des acclamations avec les mains. Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire. We are going to read dans les Saintes Écritures. In the Holy Scriptures. Et à travers cette parole, and through this word, tu vas entendre une fois de plus you will hear one more time des paroles words qui te rappellent que tu n'es pas n'importe qui. Which recall you that you are not somebody. Des paroles words qui te confirment which confirm que tu es un enfant de Dieu. That you are a child of God. Parce que nous sommes venus combattre. Because we have come to fight. Chacun doit savoir qui il est. Everybody must know who he is. C'est toi-même, tu dois savoir qui tu es. You must know who you are. L'ennemi sait qui nous sommes. The enemy knows who we are. Ce n'est pas ça qui est important. This is not what matters. Ce qui est important, what matters, c'est que tu saches qui tu es. Is for you to know who you are. Que tu connaisses tes droits. That you know your rights. Que tu connaisses ta position. You know your position. Et que tu agisses avec courage. And you act with courage. Parce que l'ennemi. Because the enemy. Est rusé. Is cunning. Il peut te vaincre par le mensonge. He can overcome you through liars. Il n'a pas de force. He has no strength. Mais il compte sur la ruse. But he counts on his cunningness et le mensonge. And liars. C'est là où Adam est tombé. This is how Adam fell. Hein? Ephesians 1. 3 à 14. 3 to 14. Gloire à Dieu. Ephésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de
de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Nous allons relire ce passage ensemble. We read it together. Ouvre ton esprit. Open your mind. Lis. Read. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoute. Listen. La parole de Dieu déclare. The word of God declares. Que là où tu es. That where you are. Là où je suis. Where I am. Nous sommes déjà bénis. We are already blessed. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. With any kind, all kind of spiritual blessings. Ce n'est pas que Dieu vous bénira, non. It's not that God is going to bless you, no. Le Père céleste, the heavenly Father, nous a déjà bénis. Has already blessed us. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. With all kind of spiritual blessings. Dans les lieux célestes. In the heavenly place. Dans le ciel, in heaven, Dieu a déjà décidé. God has already decided que tu sois libre. That you should be free. Tu es déjà béni par la liberté. You are already blessed. Tu es béni par la délivrance. With freedom, you are blessed with deliverance. Tu es béni par la résurrection. You are blessed with resurrection. Tu es béni par la prospérité. You are blessed with prosperity. Le zèle. The zeal, la joie, joy, l'amour, love, la paix, peace, l'éternité, eternity, toutes sortes de bénédictions. All kind of blessings, ce que les hommes peuvent comprendre as men can understand, par bénédiction the blessing, spirituelle spiritual, dans les lieux célestes, in the heavenly places, tu as déjà ça. You already have it. Dieu a déjà décidé God has already decided que si nous prions, that if we pray, il doit exaucer. He will grant c'est us. Lui-même, il a pris, il he a is signé, the one. Il a juré par lui-même. He swore by himself. Et puis c'est lui-même qui nous enseigne la prière. And he is the one who teaches us how to pray. Tu dors. You are Dieu sleeping. Te dit, lève-toi et prie. God tells you, stand up and pray. Pourquoi? Why? Le ciel est déjà ouvert. Because the heaven is already pour, open. Pour tous ceux qui sont en Christ. For all those who are in Christ. Le ciel est ouvert. The heaven is already open. Ils peuvent paraître devant Dieu. They can appear before God. Ils peuvent prier. They can pray. Dieu entend leurs cris. God hears their cries. Nous sommes bénis. We are blessed. Par toutes sortes de bénédictions spirituelles. With all kinds of spiritual blessings. C'est déjà fait. This is already done. Cette rencontre-ci. This meeting. C'est Dieu qui avait déjà dit que ses enfants vont se réunir souvent. It's God who already said that the children will just gather. Et il avait prévu ce lieu and he has, pour la prière. And he had planned c'était déjà this fait. Place. It ça was existe. Already done. Ta vie existe. Your life exists devant Dieu. Before God. Avec toute la richesse. With all the riches. Quand Joseph est né. When Joseph was il born, est né avec la bénédiction. He was born with the blessing. Quand Dieu, quand il a grandi un peu, when he grew up, Dieu lui a donné des visions so when he grew up, God qui montraient gave him qu'il allait être plus grand que tous ses frères. Which show him that he will be greater than his brothers. Et il est devenu plus grand que tous ses frères. And he became greater than his, all his brothers. Ils ont tenté de le tuer, ça n'a pas marché. They tried to kill him, but it does not work. It did not work. Ils l'ont vendu, ça n'a rien changé. They sold him, but this can't. Ce que Dieu a prévu. What God has planned. Va s'accomplir. Will happen. Même si tes frères sont jaloux. Even if your brothers are même jealous. Même si tu te jettes dans le trou comme Joseph. Even if they throw you in a hole like Joseph. Même si tu es vendu. Even if you are sold. Il y aura un miracle. They will have a miracle. Tu vas te retrouver libre. And you find yourself free. Et ce soir même. And tonight. Il y aura la liberté ici. They will have freedom here. Ce que tes ennemis ont planifié. What your enemies planned. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. When they saw the glory of God. Ne s'accomplira pas. Will not happen. C'est ce que Dieu avait prévu en Jésus. It is what God planned in Jesus. C'est ça qui va s'accomplir. Is that is what will happen. Souviens-toi de la vie de Joseph.
remember the life of Joseph. Saisi par ses frères, seized by his brothers, jeté dans une citerne, thrown in a tank, sorti de la citerne, removed from the tank, vendu aux Madianites, sold to Madianites. Et les Madianites sont partis le vendre à Potiphar. Went and sold him somewhere else. La femme de Potiphar a menti contre lui. The wife of Potiphar lied on him. Ça lui a coûté une prison de plus de 2 ans. It cost him a prison for more than 2 years. Mais le jour où il sortait de la prison, but the day he was getting out of the prison, c'était pour devenir le prince de l'Égypte. It was to become the prince of Egypt. Ta vie va changer. Your life will change. Ta vie va changer. Your life will change. Les desseins de Dieu vont s'accomplir. The purposes of God will come. Les desseins de Dieu vont s'accomplir. The purposes of Je God. Proclame. I proclaim. Que ce n'est pas ce que les sorciers ont planifié qui va s'accomplir. That it is not what the witches have planned. Ce qui va s'accomplir. What will happen? C'est ce que Dieu a arrêté en Christ dans les lieux célestes. It's what God has planned in Christ in the C'est ça qui va s'accomplir. This is what will happen. Lis. Read. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que. La parole, oui, lis pour que. The word. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. So that we should be holy. En Jésus-Christ. In Jesus Christ. Dieu nous a élus. God has elected us. C'est pour cette raison que tu as déjà cru. Les autres sont encore dans les marquis, dans les boîtes de nuit. This is why you have already believed, and the others are in the path. Quand Dieu veut travailler, when God wants to work, il choisit d'abord ceux qui sont les prémices. On est les élus. He first choose the firstborns. Beaucoup de personnes seront sauvées dans ta famille. Many people will be saved in your family. Mais but toi, tu es élu pour être parmi les prémices. Tu es élu. You are elected to be among the firstborn. Il y a l'élection pour être au ciel. There is an election to be in heaven. Il y a l'élection pour être premier qui appartient à Jésus sur cette terre. There is the election to be the first to belong to Jesus. Les autres vont nous trouver. The others will join us. Nous sommes choisis. We are chosen. Élus. Elected. Tu es élu. You are elected. Les bruits que les païens font là quand il y a les élections sont zéro. The noise that the pagans do while there are elections are nothing. Si toi tu fais des bruits. If you do noise. Parce que tu es élu. Because you are elected. Ça a un sens. It does a sense. Alors réjouis-toi. So rejoice. Tu es élu. You are elected. Tu es élu. You are elected. Tu es élu. You are elected. Tu n'es pas un député. You are not a parliament. Tu es élu. Member. You are elected. Ton élection est au-dessus des élections des maires, des Your députés, des présidents. Is beyond the one of the majors, the president. Écoutez le but de l'élection, lis. Listen to the Afin goal que, of the election, so that pour que nous soyons saints. Dieu t'a élu. God has elected you. Il m'a élu. He elected pour me que nous soyons saints. So that we may be holy. C'est irrépréhensible devant lui. Irrépréhensible devant lui. Blameless before him. Devant toi et moi. Before you and I. Il n'y a pas deux voies. There is no two ways. Il n'y a que la voie du salut. There is only the way of salvation. Quand Dieu nous a élus, when God has elected us, il nous a placés. He put it us sur le chemin de la vie. On the way of life. Afin que nous soyons saints. So that we may be holy. Irrépréhensible. Blameless. Frère bien-aimé, beloved brothers, je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Si tu veux rétrograder, ça ne va pas marcher. If you want to backslide, it won't work. Ça ne peut pas marcher. It cannot work. Dieu ne peut pas élire quelqu'un. God cannot elect someone. Pour qu'il devienne saint. For him to become holy. Et cette personne devient cochon. And this man become a pig. Ce n'est pas possible. This is not possible. Tu es saint. You are holy. Tu vas te surprendre en train de grandir. You will surprise you. Chaque jour. You will surprise yourself growing every day. Tu vas te surprendre. You surprise yourself. You'll be amazed. Que tu veux rétrograder, ça ne marche pas.
That you want to backslide, but it does not work. Personne ne te surveille. No one is supervising you. Mais si tu essaies de retourner, but if you try to tu verras une armée. You will see an army. Les croyants, les anges, le Saint-Esprit. The believers, the angels, the Holy Dieu, Spirit. Même le tonnerre, God, tout, even the toutes storm, choses. All things. Tu entendras la voix de Dieu partout. You will hear the voice of God everywhere. Qui te dira, ne le fais pas, mon fils, ne le fais pas, ma fille. He will tell you, don't do that, my daughter, et my vas, son. Et tu vas revenir t'asseoir. And you will come back and sit down. Pour devenir saint. To become holy. Irrépréhensible. Blameless. Regardez. Look. Qui a retrogradé et il est revenu? Who had backslided and came back? Il avait abandonné Jésus, il est revenu. Levez la main. He had abandoned Regardez. Jesus and he has come back. Regardez, pourquoi sont-ils revenus? Why are they Ça here? N'a pas marché. Because it did not work. C'est ce que je suis en train de vous dire, ça n'a pas marché. Et voilà. Si tu avais retrogradé, tu es revenu, lève la main. If you had backslided and you have come back, put up your hand. Nous ne pouvons pas. Say we cannot. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Si je proclame. Say proclaim. Que Dieu m'a élu. That God has elected me. Pour que je sois saint. For me to be holy. Irrépréhensible. Blameless. Mes pensées. My thoughts. Ne peuvent pas me faire retrogradé. Cannot make me backslide. Les pensées du diable. The thoughts of the devil. Ne peuvent pas me faire retrogradé. Must not. Si je tombe, if I fall down, je ne peux pas rester couché. I want to remain lay. Je suis élu pour marcher. I am elected to walk. Victorieusement. Victoriously. Victorieusement. Victoriously. Lève la main. Put up your hands. Dis Seigneur. Say Lord. Je te dis merci. I say thank you. Parce que si ce n'était que moi seul, because it was me alone, je serais depuis dans la boue. Dans la I would be since ever in the mud. Je serais retombé depuis dans la boue. I would boue. Have fallen again in the mud. C'est par ta grâce. But by your grace, que je suis encore là. I am still there. Et que je sais que je serai toujours là. And I know that I will be always élu. Elected. Pour être saint. To be holy. Et irrépréhensible. And blameless. Lis. Read. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption Dieu, par Jésus-Christ. Quand on dit aux gens que nous sommes les enfants de Dieu, certains ne comprennent même pas. When we tell people that we are child of God, children of God, some never understand. Dieu a prévu. God has planned. Que son fils that his son allait venir dans le monde, will come in the world, mourir, die, et mourir le type de mort qui fait couler le sang, and die the kind of death which flows blood, afin que ceux qui vont croire en lui, so that all those who will believe in him, deviennent, become, par le pouvoir de son sang, by the power of his blood, les enfants de Dieu, the children of God. Tu es enfant de Dieu. You are a child of God. Tu ne peux pas te l'expliquer. You cannot explain it to yourself. C'est décrété par Dieu. This is done. This is declared by God. Tout simplement parce que tu as reçu Jésus. Only because you have received Jesus. Bam! Bam! Le cachet de Dieu. The stamp of God. Tu es enfant de Dieu. You are a child of God. Ton extrait de naissance, là, garde ça pour le monde. Your birth certificate, keep it for the world. Au ciel. In heaven. Tu as une autre carte d'identité. You have another ID card. Père. Father. Dieu. God. Comment? Ça, c'est quel être là? Le policier veut te contrôler. The policeman wants to check your papers. Enfant de Dieu. Child of God. Père. Father. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Ah bon? Acclame pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Frère. Brothers. Quand tu pries. When you pray. Quand tu dis au nom de Jésus. When you say in the name of Jesus. Tu dois savoir d'où ça sort. You must know where it comes from. Quand le démon veut déranger.
When the demon wants to disturb, tu lui montres ta carte. You show him your ID card. Tu remets dans la poche. And you put it back to your tu pocket. Tu lui dis va-t'en. And you tell him go back. Nous sommes allés évangéliser quelque part. We have gone to an evangelization somewhere. J'étais avec une sœur. I was with a sister. Un démon s'est manifesté. A demon showed up. Je veux chasser et dire vous sortez d'où même. I want to cast him out. He said, where are you from? Je lui ai dit, j'ai reçu l'inspiration. Je lui ai dit, demande à Jésus. I received the inspiration. I asked him, ask Jesus. Et je suis resté calme. And I remained calm. J'ai constaté que le démon était calme. I noticed that the demon was calm. Je lui ai demandé, tu as demandé à Jésus? And I asked him, did you ask Jesus? Silence. Silence. Sors! Go out! Bam, il est parti. He left. Le démon sait qui est Jésus. The demon knows who is Jesus. Si j'étais parti de moi-même, if I went on my own behalf, il allait nous perdre le temps. He would have lost my time. Le Saint-Esprit m'a inspiré. The Holy Spirit inspired me. Demande à Jésus. Ask Jesus. Il ne peut même pas demander. He cannot even ask him. Parce qu'il sait qui est Jésus. Because he knows who is Jesus. Et il sait qui est l'enfant de Jésus. And he knows who is the child of Jesus. Prédestiné. Predestined. À être l'enfant d'adoption. To be a child of adoption. Par le sang précieux de Jésus-Christ. By the precious blood. Dis, je déclare. Say, I declare. Que je suis enfant de Dieu. That I am child of God. Que je suis enfant de Dieu. I am child of God. Par le pouvoir. By the power. Du sang précieux de Jésus-Christ. Of the precious blood of Jesus Christ. Je suis enfant de Dieu. I am child of God. Si tu es incrédule. If you are unbelief. Appelle-toi toi-même. Call yourself. Moi, je m'appelle Boniface Meunier. My name is Boniface Meunier. Dis Boniface Meunier, tu es enfant de Dieu. Say Boniface Meunier, you are child of God. Appelle-toi, tu parles à toi-même. Call yourself and you talk to yourself. Et que cela te transforme. And let this reform you. Que cela détruit le doute, la peur, l'angoisse, la frayeur. Doubt, anguish and fright. Les incertitudes. And the doubts. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Avec toute la richesse qui accompagne with cela. All the riches which is with it. Lis. Read. Selon le bon plaisir de sa volonté. Ça plaît à Dieu. It pleases God. C'est-à-dire Dieu se donne le plaisir de nous sauver de cette manière-là. It means that God is pleasing to save us this way. Selon le bon plaisir de sa volonté. The good pleasure. Il veut ça, il aime ça. He wants it and he loves that. Prendre un pécheur. Taking a sinner. Le tremper dans le sang de Jésus. Trap him in the blood of Jesus. Le déclarer enfant de Dieu. And declare him child of God. Et l'accompagner des privilèges. And seize him all. Dieu se donne ce plaisir. God gives himself. Personne ne peut contester. No one can. Personne ne peut lui dire pourquoi tu fais ça. No one can tell him why are you doing so. Avant lui il n'y a rien, après lui il n'y a rien. Before him there is nothing. Il remplit l'éternité passée, l'éternité future. There is nothing. Il remplit l'éternité passée, l'éternité future. Il remplit l'éternité passée et il remplit l'éternité future. He fills the past eternity and the future eternity. Nul n'est semblable à lui. No one is like him. Lui. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Nous avons la rédemption. We have redemption. Par son sang. By his blood. C'est-à-dire tu es racheté. La rédemption, c'est le rachat. Redemption is mean you are redeemed. Dans la loi d'Israël. In the law of Israel. Si tu étais pauvre. If you were poor. Et que tu vendais tes biens à quelqu'un. And you sold your goods to someone. Un parent rapproché pouvait venir les racheter. A close parent could come and buy it. Pour que la famille ne perde pas ses richesses.
So that the family does not lose these riches. Et Dieu a fait de Jésus le premier né. And God has made Jesus the firstborn. Et étant devenu le premier né, nous sommes ses petits frères. And being the firstborn, we are his junior brothers. Il a donc le droit du rachat. So he has the right to redeem. C'est pour cette raison qu'il peut nous racheter. This is why he can redeem us. La rédemption. Redemption. Il nous a déjà rachetés. He has already redeemed Notre grand frère a donné une rançon, il nous a rachetés. So our senior brother has given a ransom. Tout ce que le diable avait volé, suffit de dire à un piton, laisse, il va vomir, ça, il s'en va. All that the devil wants to steal is, you just need to tell a python, stop, and he will leave it and go back. Et ce soir, on va récupérer tout ce que les démons ont volé. Nous sommes des enfants de Jésus. And tonight, we are going to collect all that the demon stole. We have a junior brothers of Jesus. La rédemption. Redemption. Tu es esclave. You are a slave. On vient te détacher. Someone come and untie you. Sors de la prison. Jésus. And you get out Jésus of the prison. Jésus a payé tout. Sors de la prison. And I tell you, Jesus has paid everything. Get out of the prison. Jésus a envoyé ses disciples. Jesus sent his disciples. Il dit, allez à tel endroit. He told them, go this place. Vous allez trouver là-bas un ânon attaché. You will find over there a small donkey. Détachez-le. He said, untie him. Si quelqu'un vous demande, qu'est-ce que vous faites? If someone asks you, what do you do? Dites-lui. Tell him. Le maître en a besoin. The master needs it. Vous voyez la réponse? Do you see the reply? Tu as ta voiture. You have your car. Quelqu'un vient, il ouvre la portière. Someone come and open the door. Il monte. And gets inside. Il démarre. Tu dis, hey, c'est quoi? And you say, hey, what's happening? Tu dis seulement, le maître en a besoin. You just say, the master needs. Et il est paralysé. And he is paralyzed. Et tu pars avec la voiture. And you go with the car. C'est ce que Jésus est venu nous donner. This is what Jesus has came to give us. Tu vas tout prendre. You will take everything. Si quelqu'un te demande, qu'est-ce que tu fais? If someone asks you, what are you doing? Dis, le maître m'a envoyé. You say, the master sent me. C'est fini. It's finished. Et ils sont partis. And they went. Ils ont détaché l'ânon. They untied. Les gens sont venus leur demander pourquoi. People came and asked. Ils ont dit, le maître en a besoin. They said, the master needed it. C'était fini. It was finished. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que Jésus m'a racheté. That Jesus has redeemed me. Personne. No one. Ne peut me retenir dans la prison. Can keep me in the prison. Je suis libre. I am free. Libre. Free. Libre. Free. Lis. Read. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Non, il y a une vertu qui est restée. La rédemption. Après la rédemption, qu'est-ce qu'il y a? La rémission des péchés. La rémission des péchés. The forgiveness of our sins. En Jésus-Christ. In Jesus. Tous nos péchés. All our sins. Ont été pardonnés. Have been forgiven. Effacés. And cleansed. Il n'a pas seulement pardonné. He has not only forgiven. Il a effacé. He has cleansed them. Il a dit, je ne me souviendrai plus jamais de leurs iniquités. He said, I will never recall myself it to myself again. Tout est effacé. Everything is cleansed. Les gens pensent que tu es un soulard. People think that you are drunkard. Ça, c'est l'ancienne histoire. This is an old story. Tu es déjà lavé. You are already washed. Purifié. Purified. Justifié. Justified. Tu es grand. You are great. Tu es béni. You are blessed. Les péchés pardonnés. Your sins forgiven. Les péchés effacés. Your sins ça, cleansed. C'est un bien éternel. This is an eternal good. Quand tes péchés sont pardonnés, when your sins are forgiven, tu ne seras jamais jeté dans l'enfer. You will never be thrown in the hell. Et écoute ça, mon ami. Listen to that, my si y a quelqu'un friend, parmi vous qui n'a pas encore cru, if there is someone in your midst who has not yet believed, qu'il sache qu'il est en danger. Let him know that there is a danger. C'est la rémission des péchés. Is the forgiveness of sins. Qui donne à l'homme la vie éternelle. Which gives to man the eternal life. Auprès de Dieu. Near God. Quand Dieu pardonne tout ce que tu as fait. When God forgives
All that you have done. Si tu meurs, if you die, tu vas au ciel. You go to heaven. Tu meurs. You die. Tu vas au ciel. You go to heaven. Si tu es encore vivant sur la terre. If you are still alive on earth. Tu peux marcher avec Dieu. You can walk with God. Selon les voies que Dieu a tracées. According to the ways that he Dieu t'ouvre les portes devant toi. God will open the doors before you. Parce que tu as tes péchés pardonnés. Because you have your sins forgiven. C'est le péché qui détruit la relation entre l'homme et Dieu. It is sin which destroys the relationship between Adam man and God. Adam vivait en paix dans le jardin. Adam was living in peace. Et Dieu lui avait dit ne pêche pas. And God told him don't sin. Si tu pêches tu vas mourir. If you sin you will die. Il lui avait donné un commandement. He gave him a command. Il dit ne mange pas de ce fruit. He said, "Don't eat of this fruit." Et il a désobéi. And he disobeyed. Et la mort est entrée dans le monde. And death enters the world. Le péché. The sin. Et le lien de la mort. Is the tie of the death. Car le péché dans ta vie. When sin is in our life. La mort t'environne. Death surrounds you. Dès que tu as un peu les maux de tête. As soon as you have a small headache, tu commences à voir les ancêtres qui viennent causer avec you toi. You start seeing the ancestors coming and chatting with you. Ça veut dire que la mort envoie déjà ses messagers. It means that death is already sending its Et les gens qui rêvent toujours des ancêtres. And people who always dream of the ancestors. Ou des parents morts. Or parents, dead C'est parents. Une preuve que ton esprit n'est pas connecté à l'esprit de Jésus. It's a proof that your spirit is not connected to the spirit of Jesus. Ton esprit n'est pas connecté à l'esprit de Jésus. Your spirit is not connected to the spirit La mort of est avec toi. Death is with you. La mort est avec toi. Death is with you. Quelqu'un, une sœur a rendu témoignage ici. A sister gave a testimony here. Elle était malade. She was sick. Mais le Seigneur a permis qu'elle voie là où ça devait finir. But the Lord allowed her to know where it was to end. Il y avait le cercueil. There was a coffin. Et la personne a ouvert le cercueil. The person opened the coffin. Je lui ai demandé qu'est-ce qui était dedans. I asked her what was inside. Elle a dit c'était vide. She said it was empty. Ça veut dire que c'était son cercueil. It means that it was her coffin. Ce n'était pas encore occupé, c'est elle qui devait entrer dedans. It was not yet busy. Mais she was the one who was to enter. Elle a été délivrée. To enter inside, but she had been delivered. Je vous dis une réalité. I'm telling you something. Beaucoup de personnes Many people sont déjà dans le séjour des morts. Are already in the Hades. En marchant avec des hommes. While walking between men. Il y en a qui sont dans les tombes déjà. There are some who are already in the tombs. Il y en a qui sont dans les cercueils. There are some who are in the coffin. Il y en a qu'on a envoûté, ils sont au fond des eaux. There are some who has been enchanted that are in waters. Quand tu es envoûté de cette manière, when you are enchanted this way, les choses sont difficiles. Things are hard. Tout ce que tu fais, c'est le combat. All that you do are fights. C'est le combat. It's battle. Même si tu as déjà cru. Even if you have already believed. C'est pour cette raison que Dieu a donné le don de délivrance. This is why God has given the gift for deliverance. Nous devons utiliser ce don pour libérer les captifs. We must use this gift to release the captives. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a des gens qui sont envoûtés au fond des eaux. There are people who are enchanted in the depth of waters. Il y a des gens qui sont enchaînés. Some are enchained. Quelqu'un a rendu témoignage. Someone gave a testimony. Il était enchaîné. He was enchained. Et le Seigneur est venu. And the Lord came. La grand-mère avait la clé. The grandma had the keys. Quand elle a vu l'épée de Jésus. When she saw the sword of Jesus. Elle a couru à ouvrir le carré. She ran and opened the locks. Jésus n'a même pas parlé. Jésus n'a même pas dit libère-la. Jesus even did not tell her deliver her. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Acclamons pour Jésus Christ. Clap for Jesus. Dis oh Seigneur Jésus. Say oh Lord Jesus. Je te dis merci. I'm thanking you. Parce que mes péchés sont pardonnés. Because my sins are forgiven. Mes péchés sont pardonnés. My sins are forgiven. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. If you have not yet given your life to Jesus, ne dis rien. Say nothing. Je vais te donner la possibilité de devenir enfant de Dieu.
I will give you the ability, the possibility to become a child of God. Mais ne commets pas l'erreur. But do not commit the error. Que quand ceux qui sont déjà sauvés sont en train de dire nous sommes enfants de Dieu, toi aussi tu dis. That when people who are already saved say we are child of God, children of God, do you do the same? Parce qu'il y a des gens qui sont rebelles. Because there are people who are rebels. Ils défient Dieu. They challenge God. Quelqu'un vit dans l'adultère. Someone lives in adultery. Il prend la fille de quelqu'un, il ne paye pas la dot. He takes the daughter of someone and does the Et il exploite la fille. And he exploits her. Toute sa vie. All her life. Pas de mariage. No marriage. Quand on dit, when we say, proclame que tu es enfant de Dieu. Proclaim that you are a child of God. Et aussi dit, je suis enfant de Dieu. He say, I am child of God. Certains ne connaissent même pas comment on prononce le nom de Jésus. Some even don't know how to pronounce the name of Jesus. Le nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Non, tu es délivré. You are delivered. Tu vas donner ta vie à Jésus. You will give your life to Jesus. La porte est ouverte. The door is open. Si Dieu t'a amené, if God has sent il sait. He knows qui t'a destiné à cela. That he has planned you. Donc si tu fais partie des élus de Dieu, you are part of this elected people. Aujourd'hui c'est ton jour. Today is your day. Tu diras, je suis enfant de Dieu. I am a child et tu vas dormir en paix. And we sleep in peace. Tu vas dormir en paix. You will sleep in peace. Tu diras, je suis enfant de Dieu. You will say, I am a child. On n'achète, on ne vend pas ça quelque part. This is not sold. Si je te prends l'argent, je suis voleur. Là où je suis là, si je te prends même 5 francs. If I take your money, it means I'm a thief. C'est que j'ai volé. Even c'est gratuit. 5 francs is free of la charge. Personne qui avait quelque chose à payer l'a payé. Il s'appelle Jésus de Nazareth. The one who has to pay something paid it already. His name is Jesus of Nazareth. L'apôtre Pierre parle de lui. Apostle Peter speaks about him. Ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés. He says not by gold and money that you have been. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. But it's through the precious blood of Jesus Christ. Et la parole de Dieu dit. And the word of God says. C'est lui qui s'est donné lui-même. He gave himself. Il s'est donné lui-même. He gave himself. Afin de se faire un peuple. So that to make for himself a people. Qui lui appartient. Which belong to him. Il faut que tu aies cette joie d'appartenir à Jésus. You must have this joy of belonging to Jesus. Tu dois partager cette joie avec les autres. You must share this joy with others. D'être enfant de Dieu. Being a child of God. Si tu meurs en buvant le coutoukou, tu gagnes quoi? If you die by drinking alcohol, what do you win? Tu meurs sans gloire. You die without glory. La Bible dit. The Bible la says, mort de ceux qui aiment Dieu a du prix aux yeux de Dieu. The death of those who love God has a price at God's eyes. Tu dois donner ta vie à Jésus. You must give your life to Jesus. Et c'est par là qu'on va commencer. And it's by that we are going avant to start. D'intercéder. Before interceding. Tu dois donner ta vie à Jésus. You must give your life to Jesus. Mais écoutons la suite. Let us listen to the following. Lis. Selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse. Dieu donne la sagesse aux enfants de Dieu. God gives wisdom to the child of God. Il faut une sagesse divine. You need a divine wisdom. Pour savoir. To know. Qu'un homme doit doter sa femme. That a man should pay the bride for his wife. Et avant de vivre avec elle. Before living with her. Il faut une sagesse divine. We need a wisdom of God. Pour qu'une jeune fille for a young girl comprenne to understand qu'elle doit se garder vierge that she must keep a virginity jusqu'à son mariage. Till the marriage. Il faut une sagesse divine. It takes a divine wisdom pour savoir to know quand on mange la nourriture that when you are eating some food ça va dans le ventre. It goes into the stomach. Et puis ça ressort. And goes out dans un lieu secret. Into out of a secret place. Et pas de valeur éternelle. La nourriture n'a pas de valeur éternelle. And food has no eternal value. Il faut une sagesse divine. It needs a divine pour wisdom. Savoir to know que quand on est tenté, that when you are tempted, on résiste, on refuse. You must resist and refuse. La sagesse de Dieu. The wisdom of God.
nous a permis de connaître Jésus. Allow us to know Jesus. De savoir ce que Jésus veut. To know what Jesus wants. Avec Jésus. With Jesus. On est en joie, on est heureux. We are joyful and we are happy. Même quand on n'a rien à manger. Even if you have nothing to eat. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. Because man does not live upon bread only. Il vit de la parole de Dieu. He lives upon the word of God. Lis. Read. Et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et Dieu a révélé. And God has revealed to us la volonté parfaite de Dieu, the perfect will of God, qui était de fonder l'Église, ce qu'on appelle le corps de Christ, which was to found the church, which is called the body of Christ, ce qu'on appelle dans la Bible le mystère. What is called in the Bible the mystery? Les païens et les juifs sont un en Christ. Pagans and Jews are one in Christ. Les enfants de Dieu. Children of God. Lis. Read. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux. Tout réuni en Christ. Everything joined Christ. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, tout réuni en Christ. All that is in heaven and all that is on earth. Join Christ. Jésus n'est pas un prophète, un petit prophète. Jesus is not a small prophet. Comme les autres prophètes. As the other prophets. Jésus est Dieu. Jesus is God. Mais les gens ne savaient pas. But people didn't know. Il est dit que Dieu était en Christ. It is said that God was in Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Reconciling the world with himself. Et n'imputant point de péché aux hommes. And not keeping sins against men. Alléluia. Amen. Dieu. God. Était en Christ. Was in Christ. Lis. Read. En lui. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Je suis un héritier. That I am a heir. Ça veut dire que les biens de Dieu t'appartiennent. It means that the goods of God belong to you. Les biens de Dieu t'appartiennent. The goods of God belong les to you. Les promesses de Dieu t'appartiennent. The promise of God belong to you. Le royaume de Dieu t'appartient. The kingdom of God belong to you. Tu es héritier de Dieu. You are heir of God. Tu es héritier de Dieu. You are heir of God. Oui. D'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi. Écoutez, oui, vas-y. Listen. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. We have been sealed through the Holy Spirit. C'est ça qui couronne toutes ces bénédictions-là. This is all crown, all vos après blessings. Avoir fait pour nous tout ce qu'il a dit. After having done for us all that he courted, il a scellé, il a marqué chacun de nous. He has sealed and he has marked par all le of Saint-Esprit. Us by the Holy Spirit. Les gens qui vivent sans Jésus, people who live without Jesus, n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Have not the Holy Spirit in themselves. Quand Jésus va revenir, when Jesus will come back, il y a des gens qui vont essayer de sauter. There are people who will try to jump. Parce qu'ils vont voir les croyants enlever, monter, because rencontrer Jésus. See the believers raptured, going up to meet Jesus. Ils vont sauter, ils retombent. And they will try to jump. Ils sautent, ils retombent. They jump and they come back. Mais ceux qui ont l'esprit de Jésus en eux. But those who have the spirit of Jesus in themselves. Partent comme des fusées, pam, ils s'en vont. 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 Et toi, tu es là. And you are there, jumping.
C'est le jour là Jésus dit il y aura les cris et les grincements dedans. It's the day Jesus said that we will have cries. Les gens vont pleurer comme ils n'ont jamais pleuré. People will cry as they have never done. Vous savez, je me suis dit pourquoi Dieu dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. I asked myself why God said that they will have cries. J'ai découvert que quand la douleur est extrême, have discovered that when the pain is over, on ne pleure plus. On grince les dents. You don't cry like this. You just. C'est ce jour-là. It's this day que la grandeur des enfants de Dieu sera révélée aux hommes. That the greatness of the children of God will be revealed to men. Ce jour-là. This day. Si un enfant de Dieu te touche même, tu es heureux. Ce jour-là. If this day, if a child of God touch you, you are happy. La Bible dit qu'ils seront enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. The Bible said that they will be raptured and go and meet Jesus into the air. Les autres. The others. Les pleurs. Cries. Les cris. Et les grincements. Cries. C'est-à-dire la douleur. It means the pain. Le châtiment. The punishment va tomber sur les hommes. Will fall on men. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Is there someone who wants to give his life avant to Jesus? Avant qu'on commence l'intercession. Before we start praying. Lève la main. Put up your hand. S'il y a quelqu'un qui lève la main. If there is someone, put up your hand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Do we have someone who wants to give his life to Jesus? Oui, venez. Yes, come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Vite, vite, vite. Quickly. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Sauve-toi toi-même. Save yourself. En allant embrasser Jésus. By coming and embrace Jesus. Lève-toi et cours vers Jésus. Stand up and run to Jesus. Tu veux donner ta vie à Jésus? Lève-toi, tu vas devant. You want to give your life to Jesus? Stand up and go. Acclame plus fort. Clap louder. Tu veux donner ta vie à Jésus? Lève-toi et viens. You want to give your life to Jesus? Stand up and come. Tu veux donner ta vie à Jésus? Lève-toi et viens. You want to give your life to Jesus? Stand up and come. Viens recevoir le pardon des péchés. Come and receive the forgiveness of your sins. Viens recevoir le pardon des péchés. Come and receive the forgiveness of your sins. Viens recevoir le pardon de tes péchés. Come and receive the forgiveness of your sins. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, acclame très fort. Yes, clap loudly. Lève-toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Viens recevoir le pardon de tes péchés. Come and receive the forgiveness of your sins. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, acclamez. Yes, clap. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel. The Bible said that there are joy. Quand un seul pécheur se repent. In heaven, when it. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Do you want to see the glory of God? Lève-toi et viens. Stand up and come. Ne regarde pas à ta gauche et à ta droite. Do not watch at your left or right. Les autres, ils ont déjà réglé leur vie. Others have already sorted their lives. Dans 5 minutes. In 5 minutes. On va arrêter. We'll stop.
Dans 5 minutes, on va arrêter. In 5 minutes, we stop. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es un croyant qui est tombé. If you are a believer who has fallen down. Lève-toi, tu reviens. Stand up and come back. Tu étais debout, tu es tombé. You are up and you fall down. Lève-toi et reviens. Lève-toi et reviens. Stand up and come back. Nous avons vu que ça ne peut pas marcher. Ne perds pas le temps. Reviens vite. You have seen that this is not going to work, so don't waste your time. Ne reviens vite, reviens vite. Come back home quickly. Si tu refuses Jésus à cause d'une femme. If you refuse Jesus because of a girl. Un jour, elle va te chasser. One day she will chase you. Jésus va permettre que tu humilies. Jesus will allow that she humiliates you. Et tu vas commencer à regretter que si j'avais su. And you start regretting and say if I knew that. J'allais embrasser l'appel de Dieu à Atiekwa. I would have embraced the call of God in Atiekwa. 4 minutes. 4 minutes. Four minutes. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dans 4 minutes, on arrête. In 4 minutes, we stop. Dans 3 minutes. In 3 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui résiste à Dieu? Do we have someone who is resisting God? Si tu es un enfant de Dieu, lève ta main. If you are a child of God, put up your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons les chaînes de captivité. We break the chain of slavery. Qui retiennent certains pécheurs captifs. Which keeps some sinners. Nous jugeons les chaînes de captivité. We judge the chains. Nous brisons les chaînes de captivité. We break the chain. Nous libérons les captifs. Of captivity, we et nous les appelons à Jésus-Christ. And we call them to Jesus. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. La prière qu'on vient de faire a libéré de certaines the personnes. The prayer we have just done has released some people. Lève-toi. Dès que tu es léger, tu te lèves, tu viens. As soon as you are light, you stand up and come. Où est cette personne? Where is this person? Oui, acclamez pour Jésus-Christ. Yes, clap for Jesus Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dans 2 minutes, on arrête. In 2 minutes, we stop. Qui a été libéré par cette prière? Lève-toi, tu viens. Who has been released by this prayer? Stand up and come. Il y a quelqu'un qui doit venir à Christ. There's someone who must come to Christ. Son cœur est déjà engagé. His heart is already engaged. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. On va commencer la prière. We are going to start the prayers. Levez vos mains.
Put up your hands. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'ajouter? Do we have someone who wants to come? Dites Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te donne ma vie. I give you my life. Je ne veux pas être jugé au dernier jour. I don't want to be judged at the last day. Je ne veux pas être jugé après ma mort. I don't want to be judged after my death. Je veux que mes péchés soient pardonnés maintenant. I want my sins to be forgiven now. Pardonne-moi maintenant. Forgive me now. Je veux aller au ciel. I want to go to heaven. Je veux vivre avec toi au ciel. I want to live with you in Je heaven. Je ne veux pas aller à l'enfer. I don't want to go to hell. Pardonne-moi mes mensonges, mes vols. Forgive my liars, my robberies. Tous les autres péchés que j'ai commis. All the sins that I have committed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lave-moi par ton sang précieux. Wash me with your precious blood. Lave-moi. Wash me. Rends-moi pur. Make me pure. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jesus of Nazareth. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je reviens avec beaucoup de maladies. I am coming back with a lot of diseases. Je te supplie. I plead you. Guéris-moi. Heal me. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds. From my head to my toes. Guéris-moi. Oh Jésus, oh Jésus, que ta puissance may your power me délivre delivers me de tout envoûtement, from any kind of enchantment, de tout envoûtement, of any kind of enchantment, of any kind of enchantment. Délivre-moi, deliver me. Oh Rikabaka Sakabaka Habaka, Jésus Christ. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi de la tête. Heal me from my head. Guéris-moi jusqu'à la plante de mes pieds. To my toes. Élimine toute maladie démoniaque. Remove any demonic. Au nom de Jésus Christ. Disease in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Sit down, please. Dites Amen. Say Amen. Nous savons qui nous sommes. We know who we are. Nous allons lire la deuxième partie de ce texte. We are going to read the second part of this text. Lis le verset 15. Read the verse 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. En anglais. In English. Ephesians chapter 1, verse 15 to 16. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre dit ici? What is the apostle saying here? Il a appris que les gens des Éphésiens avaient donné leur vie à Jésus. He heard that the Ephesians have given their life to Jesus. Et il connaissait la portée spirituelle de cet acte. And he knew the spiritual value of this action. Donner sa vie à Jésus. Giving the life to Jesus. Et il leur a d'abord expliqué ce que ça voulait dire. So he first explained to them what that means. C'est ce qu'on a lu. This is what we read. Ils sont élus. They are elected. Des enfants de Dieu. Children of rachetés, God. Rachetés. Redeemed. Pardonnés. Forgiven. Ils ont reçu la révélation du corps de Christ. They have received a revelation of Christ's body. Ils sont rachetés. They are redeemed. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont des héritiers. They are filled with the Holy Ils sont Spirit remplis du Saint-Esprit. They are filled with the Holy Spirit. Il dit, je prie beaucoup pour vous. He said, I pray a lot for you. Afin que vous puissiez comprendre. So that you may understand. Ce qui vous est arrivé. What has le bonheur qui vous est arrivé. The happiness which has happened to you. Il faut lire verset. Read. C'est pourquoi moi aussi. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints,
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Il dit, je prie que vous soyez remplis de l'esprit de sagesse et de révélation. He said, I pray that you may be filled with the spirit of wisdom and revelation. Pour comprendre to understand ce que veut dire donner la vie à Jésus. Giving the life to Jesus. Continue. Est-ce qu'on a lu en anglais? Continue. Ephesians chapter 1, verse 17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Holy Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. Continue. Dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. En anglais. Amen. Verse 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you will know the hope to which you have been called, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparable great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in this present age, but also in the one to come. Amen. Amen. Paul dit. So Paul says. Qu'il prie pour que tous les croyants voient la richesse et la puissance qui vient du fait que nous sommes des enfants de Dieu. He prays so that all the children of God may see the riches and the power of the fact of being que children of God. Cette puissance est la même que Dieu a utilisée pour ressusciter son fils. And that this power is the same God used it to raise his son from death. Dis Seigneur, je crois. Say, Lord, I believe. L'appel de Dieu the call of God nous introduit dans la grandeur de Dieu, introduce us in the dans la puissance de Dieu, of God, in the power of God, dans les richesses de Dieu. In the riches of God. Tiens-toi debout. Stand up. L'apôtre prie the apostle prays que nous puissions utiliser cette puissance-là. So that we may use this power. La puissance de Jésus. The power of Jesus, qui est élevé au-dessus de tout nom. Which dit, is beyond any name. Quand on dit les satanistes là, ça c'est petit. When we say satanists, this is a little c'est matter. C'est les sorciers, c'est des petits noms. Which is a small names. Leurs pratiques sont des petites œuvres. The deeds are small deeds. Tu vois même les statues, les petits dieux qu'ils fabriquent là, c'est tellement vilain. You see the small statues that they make. They are so ugly. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Tu vas détruire. You will destroy. Tout ce qui vient des œuvres des hommes. All that comes from the works of men. S'il y a quelque chose dans ta vie. If there is something in your life. Qui a été introduit par un être humain. Which had been introduced
by a human being. Directement ou indirectement. Directly or indirectly. Même s'il t'a trompé. Even if he has deceived you. Tu ne savais pas. You didn't et know. Il a fait. And he did it. Quelqu'un te trompe. Someone deceived you. Accompagne-moi. He said, see me off. J'ai un marabout là-bas. I have a marabout over there. Alors que le marabout lui a dit, amène la personne ici. While the marabout has said, send this person et here. Te trompe. And he deceived you. Toi, tu es sincère, il dit, accompagne-moi. You are sincere and he said, see me off. Dès que vous êtes arrivé, as soon as you arrive, il lui a fait signe que c'est lui. He told him that he's the one. On t'a envoûté. And you have been bewitched. C'est fini pour toi. It's finished for you. Je connais un monsieur. I know a man. Il était riche. He was rich. Il avait commencé à construire une grande villa. He has started building a big house. Et il avait un ami qui était toujours pauvre. And he has a friend who was already poor. Et il lui donnait de temps en temps un peu d'argent, 5 000 and ici, 5 000 And he used to give him some money, 5,000 francs. Un jour, one day, cet ami lui dit, accompagne-moi. This friend told him, please go with me. Ils sont allés. They went. Il a consulté son marabout. He consulted his marabout. Il appelle son ami, viens aussi. Il dit, non, moi je ne veux pas. Il dit, non, viens, on est and déjà, viens. He told his friend, come. He said, no, I don't want. Mais finalement, il est entré. But finally, he entered. Après, ils sont ressortis. And later, they got out. Il m'a dit, j'étais dans sa maison inachevée. He said, I was in his house. Il me dit, depuis ce jour-là, he said, since this day, c'est cet ami qui l'aide de temps en temps. It's this brother who helped him from time to time. Et lui-même n'a plus rien. He himself has nothing. Il ne peut plus continuer more. Les travaux de sa maison. He cannot continue building his house. Beaucoup parmi vous many ont été envoûtés de cette manière-là. Has been bewitched this way. Quelqu'un met les médicaments dans ses mains. Quand je veux le saluer, il faut que je prenne ça. Someone put the things in his hand and say, as soon as I will greet you. Il te salue. And he greets you. Il prend tout. And he takes everything. Et il commence à prospérer. And he starts prospering. Quand il arrive, when les gens arrive, l'accueillent partout avec des bruits. People welcome him everywhere with noise. Quand toi tu arrives, when you arrive, si quelqu'un écrit, if someone writes, il te dit bonjour en écrivant sans te regarder. He greets. It says you good morning while writing and not watching you. Si tu essayes de demander quelque chose de plus, il te chasse. If you try to ask something more, he tells you. Tu es délivré. You are delivered. Tu es délivré. You are delivered. La puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus. The power which has raised from death. Et là. Lord Jesus is there. Si tu as été enterré. If you have been buried. Tu vas sortir. You will get out. Si tu es dans un cercueil, il va se casser. If you are in a coffin, it will be broken. Si tu as été avalé par un reptile, il va te vomir. If you have been swallowed by a reptile, he will vomit you. Si on t'a suspendu en l'air. If you have been hung in air. Tu seras délivré. You will be delivered. Si on t'a mis dans les eaux. If you have been put in the waters. Les eaux vont sécher et tu vas sortir. The water will get dry and you get out. C'est le jour de délivrance. It's the day of deliverance. S'il y a un mal en toi. If there is a disease in you. Il y a des origines d'enfoutement. Which origin are enchantment. C'est fini. It's finished. Il sera banni, anéanti. It will be banished and destroyed. Prie avec foi. Pray with faith. Prie sans douter. Pray without doubting. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous levons nos mains. We put up our hands. Contre toute œuvre humaine. Against any human work. Contre toute entreprise démoniaque. Any devilish toute enterprise. Toute entreprise des hommes occultes. Any enterprise of occult des people. Sorciers. Witches. Sorcellerie universelle ou sorcellerie traditionnelle. Universe or traditional witchcraft. Quel que soit le milieu. Whatever the place. Où cet envoûtement a été préparé. This bewitchment. Nous levons nos mains. We put up our hands. Nous déclarons. And we declare. Que cet envoûtement est banni. That this bewitchment is banni. 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 Écrasé. Banni. Écrasé. Et mon corps, mon âme et mon esprit libéré. My corps, mon âme et mon esprit, mon âme et mon corps libéré. Mon esprit, mon âme et mon corps libéré. My spirit, my soul,
La foutre free. Mort. Banni. Banni. Dieu, au nom de Jésus, que ce qui a été enterré soit déterré. Que tout sacrifice soit banni. Cela l'a fait avec les chiens, que cela soit banni. Done with dogs, so banished. Si on a fait avec le sacrifice de chien, qu'il soit banni. It has been done with a sacrifice of dog, banished. Si on a fait avec le sacrifice de poulet, qu'il soit banni. Done with a sacrifice of chicken, banished. Tout animal qui a été utilisé, banni. Any animal which has been used, we banish it. Si c'était avec le sang humain, banni. If it was with human blood, we banish it. Nous annulons tout au nom de Jésus. Nous renversons ce qui a été construit au nom de Jésus. Et toutes les maladies qui sont venues par ces avortements, nous les chassons. Nous les chassons. Toi, maladie, qui est venue par avortement. Par enchantement, par incantation, avec sacrifice, l'argent, l'or, ou le chien, le poulet, ou sacrifice des hommes, nous bannissons. Nous écrasons. Nous libérons les captifs. Au nom de Jésus, que tous les captifs soient libérés et viennent à Jésus, ceux qui sont encore vivants. Au nom de Jésus, continue à casser tout. Keep on breaking everything. Lève ta main droite. Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, je détruis, je brise tout envoûtement qui m'a fait me retrouver toujours au village quand je dors. Je détruis cela. Je ramène mon esprit à moi-même. Je ramène mon esprit, mon âme, dans la liberté totale en Jésus-Christ. Dieu, notre Jésus, je juge, je bannis tout envoûtement qui fait que je me retrouve toujours dans une forêt. Je détruis, j'écrase, je proclame ma liberté, mon esprit, mon âme et mon corps, notamment. Dis, je bannis tout envoûtement qui fait que je me retrouve souvent dans l'eau, ou bien au bord de l'eau. Je proclame ma liberté. Je proclame ma liberté. Mon âme, mon esprit, mon âme et mon corps. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je brise toute prison. Même si je suis enfermé sans savoir. Je brise tout ce qui s'appelle prison. Je déclare la liberté de mon esprit, mon âme et mon corps. Mon esprit, mon âme et mon corps. Mon esprit, mon âme et mon corps. Mon esprit, mon âme et mon corps.
Je brise les prisons. Je brise les prisons. Au nom de Jésus. Je brise tout enfoutement. Je fais que les esprits des ancêtres ou les esprits de mort habitent en moi. Je détruis tout ce qui garde le contact avec les morts. Je détruis par la puissance de Jésus tout ce qui est en moi. Garde mon esprit attaché aux morts, aux morts, aux eaux, aux forêts, aux forêts, aux monstres, aux reptiles. Je déclare que toute œuvre de sorcellerie est jugée, brisée, jugée, brisée. Jugée, brisée, jugée, brisée. Jugée, brisée, jugée, brisée. Jugée, brisée, jugée, brisée. Toute œuvre de ténèbres. Jugée, jugée, jugée. Brisée, jugée, brisée. Jugée, brisée, jugée. Brisée, jugée. Continuez à briser, détruire tout. Dieu au nom de Jésus, j'efface mon nom des livres de sorciers. J'efface mon nom des annales de sorciers. J'efface mon nom. Je me sépare des esprits des morts qui ont porté le même nom que moi. Je me sépare de ceux qui sont vivants. Je me sépare de ceux qui sont des morts. Je proclame la liberté de mon esprit, la liberté de mon âme, la liberté de mon corps. Dieu, lève ta main, Dieu, au nom de Jésus. Si on est envoûté par le breuvage nocturne, ou par la nourriture nocturne, je vomis cela maintenant. Je vomis spirituellement tout cela. Enfin, tout cela sort de ma ventre. Et je vomis par terre. Et je lave mon esprit, mon âme et mon corps. Je lave mon esprit, je lave mon âme, je lave mon corps. Je lave mon esprit, je lave mon âme, je lave mon corps. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Saint esprit de mort m'a suivi. Parce que j'ai eu pitié de ces morts. Ou que j'ai beaucoup pleuré. Et son esprit m'a suivi. Je te chasse maintenant. Sors et va-t'en. Et ne va pas chez moi. Ne te tiens plus sur mon chemin. Lève ta main droite. Dis, je suis ici à tes croix. Mais au nom de l'autorité que me donne Jésus, je sanctifie ma maison. Je commande que tout esprit impur qui habite dans la maison, qui habite dans la maison, qui a été envoyé, ou bien qui est là parce que les objets ont été enterrés. Portez! Cette maison m'appartient désormais. Parce que c'est moi qui vis dedans. C'est moi qui vis dans cette maison. Portez! Portez! Si c'est dans la voiture, si c'est un esprit dans ma voiture, et quand je monte, je suis avec lui. Je te chasse. Va-t'en. Sors. Ne reste plus dans mon bureau. Puis si tu es dans mon bureau, si tu es dans mon bureau, si tu es placé dans mon bureau, pour m'alourdir et me persécuter, je te chasse. Esprit impur. Sors de mon bureau. Sors de mon bureau. Dis si tu habites à moi. Je te commande maintenant de sortir. Je te commande de sortir. Sors et va-t'en. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de Jésus et du Saint-Esprit. Parce que je suis l'enfant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Sit down. Si tu as la nausée, c'est un démon qui s'en va. If you have nausea, it's a demon leaving. Il y a des démons qui partent avec une nausée.
There are demons who live with a nausea. D'autres partent avec les crachats. Some go with a spit. D'autres partent avec les cris. Some go with cries. Il y en a qui partent avec douleur. There are some who live with pains. Il y en a qui partent en toussant. There are some who live by coughing. Si ces choses t'arrivent, ne t'inquiète pas. Go out quickly. So, go out. Le Seigneur travaille. The Lord is at work. Tous ceux qui avaient des maladies, all those who had disease, ayant pour racine l'envoûtement, whose root was bewitchment, tu entres dans ta liberté. You enter into your freedom. Tu entres dans ta liberté. You enter, you experience your freedom. L'apôtre dit, il prie qu'on comprenne. The apostle says, he prays so that we understand. Qu'il y a la puissance dans tes paroles. That there are power in our words. Tu n'es pas en train de t'amuser. You are not joking. Même si on t'a donné ce mal dans la sorcellerie. Even if you have been given this disease. In witchcraft. Tu es délivré. You are delivered. Tu es délivré. You are delivered. Tu es délivré. You are delivered. Si les gens prenaient ton corps. If people used to take your body pour pratiquer la sorcellerie, to practice witchcraft, et on te voyait partout, and they could see you everywhere, quand on te dit que tu es sorcier, tu es étonné. When they say you are a witch, you je are je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus Nazareth. Cette honte-là se sépare de toi. The shame is far from you. Tu vas désormais te coucher you will from now et sleep. Dormir paisiblement. You will now lie down and sleep peacefully. Démon. Timon. Va-t'en vite. Go away quickly. Tes œuvres sont abominables. Your deeds are evil. Tu ne dois pas rester. You must not stay. Si tu as été envoûté dans une boutique, if you have been bewitched in a shop, où le propriétaire a pratiqué pour garder ses clients, where the owner has, je déclare que tu es libre. Keep his customers. I declare you are free. Je déclare que tu es libre. I declare you are free. Kota rabaka sakabaka. Je déclare que tu es libre. I declare you are free. Envoûté par les commerçants. Bewitched by sellers. Qu'il soit fidèle, qu'il n'achète pas ailleurs. So that you should be faithful, you don't buy somewhere else. Sors de toi. Go out and leave. Libère l'enfant de Dieu. And release the children of God. Il est libre d'acheter les choses où il veut. He's free to buy things everywhere. Je casse le lien. We break the tie. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je casse le lien. We break the tie. Je casse, je brise. Break. Je détruis. We destroy. Je bâtis. Je libère l'esprit à mes corps. I release freedom. I release spirit, body and soul. Je libère. I release. Je libère. I release. J'insiste.
I insist. Toute personne. Everybody. Qui a été envoûtée. Who has been bewitched. Par les commerçants. By sellers. Par les boutiquiers. By shoppers. Pour les garder captifs. To keep you captive. Esclaves. Slave. Esclaves de boutiquiers. Slave. Tu es libre. You are free. 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 Ora bakashara gabagala kashara gabagala kashara. Ora bakashara gabagashara. Tout homme ou toute femme. Any man or woman. Envoûté par un sorcier. Bewitched by a witch. Pour attirer dans le péché sexuel. To be attracted into sexual. Tu es déclaré libre. You are declared free. Tu as été envoûté. You have been bewitched. Pour coucher avec toi. To sleep with you. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Je casse le lien. I break the tie. Je brise ce lien. I break this tie. J'enlève ce fétiche. And I remove this fetish. Qui a ruiné ta vie. Which has ruined your life. Je chasse ce fétiche. I cast it out. Je te libère au nom de Jésus de Nazareth. I release you in the name of Jesus of Nazareth. Je te libère. I release you. Toi qu'on a envoûté. You who have been bewitched. Qui ne sait plus dire non à un homme. Who don't know how to say no. Je déclare que tu es libre. I release you. I declare je you. Je restaure ta personnalité. I restore your personality. Désormais. From now. Tu peux dire à un homme. You can tell je a man. Je ne veux pas. I don't want c'est you. Un péché. I don't. Je it's a sin. Pas. I don't c'est want un péché. You. It's a sin. Je ne veux pas. I don't want c'est you. Un péché. It's a sin. Je ne veux pas. I don't want c'est you. Péché. It's a sin. Tu es libre. You are free. 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 Ora baka sharga baka sharga baka sharga baka sharga ora baka sharga baka sharga baka sharga baka ora baka sharga baka sharga baka sharga baka ora baka sharga baka sharga baka ora baka sharga baka sharga baka sharga baka ora baka sharga baka sharga left arm right put up your right hand dis au nom de Jésus say in the name of Jesus si la puissance de l'envoûtement vient de l'Orient. If the power of the bewitchment comes from east, nous cassons cette puissance. We break this power. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Parce que Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Because Jesus has been put it beyond any name. Au-dessus de l'Orient, au-dessus de l'Occident, au-dessus beyond de l'Midi, the east, au-dessus de Septentrion. The west, the north and the south. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Ora baka sharga baka sharga baka sharga baka sharga baka sharga baka baka sharga baka sharga baka sharga ora baka sharga baka sharga ora baka sharga. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis-nous jugeons. Say we judge. Toute œuvre humaine. Any human work. Toute œuvre humaine. Any human work. À travers la magie. Through magic. L'occultisme. Through la sorcellerie qui a rendu une femme stérile. Which has made a c'est woman une femme dans cette foule. Buried, a woman ou quelque part. Or somewhere. Qui a été envoûtée. Who has been bewitched. Pour être stérile. To be buried. Nous déclarons que tu es guéri. We declare that you tu auras des enfants. You will have children. Tu auras des enfants. You will have children. Tu auras la joie d'enfanter. You will have tu auras la joie d'enfanter. You will have a joy tu auras la joie d'enfanter. You have a joy to give birth. Ora kabaka, ora kabaka. Tu auras la joie. Have a joy. De jouer avec ton enfant. To play with your children. Sur tes genoux. We on your knees. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus Nazareth. Ora kabaka, sharga, kabaka, sharga, kabaka, sharga, kabaka, sharga, kabaka. Ora kabaka, sharga, kabaka, sharga, kabaka, sharga, kabaka. Ora kabaka sharga kabaka sharga kabaka ora kabaka sharga kabaka sharga ora kabaka sharga. Si y a un esprit quelque part. If there is a spirit somewhere. Qui n'habite pas en toi. Who does not live in you. Mais qui vient de temps en temps. But sometime come. Qui vient de temps en temps. Sometime come. Si tu conçois. If you get pregnant. Il vient, il enlève la grossesse, il s'en va. He comes and remove a pregnancy and go. Lève ta main droite. Put up your hand. Dis esprit right méchant. Say evil spirit. Que la terre s'ouvre. Let the heaven. Que ta voix où tu te trouves. And swallow you from where you are. Que tu ne reviennes plus jamais. And you never come back. Que la terre s'ouvre. Let the heaven open. Que ta voix. And swallow you. Dis esprit d'épilepsie. Say spirit of epilepsy.
Tu viens et tu rentres. You come and you go back. Tu viens. You come. Tu jettes la personne par terre. You throw the person on earth. Tu l'humilies. You humble him. Après tu sors, tu t'en vas. And later you go out. Pour revenir. And come back. Nous déclarons. We declare. Que tu ne reviendras plus jamais. That you will never come back again. Tu restes où tu es. You stay where you are. Enchaîné. And chained. Jeté dans la poussière. Drawn in the dust. Tu resteras enchaîné jusqu'au retour de Christ. You will remain enchained till the return of Christ. Tu ne reviendras plus jamais, jamais, jamais. You will never come back again, again. Et nous déclarons. And we declare. La liberté de tes victimes. The freedom of your victims. Libre, 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 libre. Free, 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 free. Libre, 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 libre. Free, 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 free. Garde le calme. Keep calm. Contemple l'œuvre de Christ. Contemplate the work of Christ. Contemple l'œuvre de Christ. Contemplate the work of Christ. Contemple ta liberté. Contemplate your freedom. Contemple ta guérison. Contemplate your healing. Gratuitement. Free of charge. En Jésus-Christ. In Christ. Lève ta main. Put up your hand. Dis, esprit de serpent. Spirit of snake. Tu vas quitter ce corps. You will leave his body. Même si on t'a appelé. Even if you have been called, c'est annulé. It's cancelled. Le jugement de Dieu est contre toi. The judgment of God is against you. Esprit de serpent. Spirit of serpent. Va-t'en. Go away. Et tu ne pars pas avec les richesses que tu as. You don't leave with the riches. Sors de toi. Leave. Sors de toi. Tu t'appelles serpent. Your name is serpent. D'où que tu viennes. Whatever. Même si on t'a marié. Wherever you come from, even if you have been married. Même si tu es marié. Even if you have been nous married. Nous cassons ce mariage. We break this marriage. Nous cassons ce mariage. We break this marriage. Sors de toi. Go out and leave. Sors de toi. Go out and leave. Insistons, il y a des serpents qui sont en train de résister. Let us insist. There are snakes who are here.
Gardez le calme. Please keep quiet. Gardez le calme. Si tu es la mort, if you are deaf, et tu as possédé quelqu'un, and you have possessed someone, et la personne a des paludisme qui ne finissent pas, le froid, And the person has endless malaria. Tu es caché là. You are hidden there. Tu es jugé. You are charged. Toi, la mort. You death. Va-t'en. Go away. Dans la mort, va-t'en! Mort, va-t'en! Death, leave! Mort, va-t'en! Death, go away! Nous te frappons. Nous te frappons. Nous te frappons. Nous t'affaiblissons. Nous t'avertissons. Va-t'en. Au nom de Jésus de Nazareth. Va. Go. Nous te frappons. Nous te frappons. Nous te frappons. Ne te frappons, ne te frappons. Va-t'en. Va-t'en. Kota rabaka sakaba kasaka rabaka sakaba. Ne te frappons. Ne te frappons. Ne te frappons. Ne brisons la résistance. Ne cassons la résistance. Ne cassons la résistance. Va-t'en. Ora baka shara baka shara baka shara baka shara baka ora baka shara baka shara baka shara baka ora 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 baka tu la ma la ma la ma la ma la ma la ma tu ne prendras personne tu ne prendras personne va-t'en tu ne prendras personne personne Tu ne prendras personne. No one. Kore baka sakara baku sakaraka. Ora baka sakara baka sakara baka sakara. Vote, 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 vote.
pas de secours. No rescue. Tu n'auras pas de secours. You have no rescue. Tu n'auras pas de secours. You have no rescue. Tu n'auras pas de renfort. No. Va-t'en. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus Nazareth. Pas de secours, pas de renfort. Le puissant tes appuis. Le cassant tes appuis. Le puissant tes appuis. Le cassant tes appuis. Le puissant tes appuis. Le cassant tes appuis. Le cassant tes appuis. Le te renversant. Le te couvrant de sable. Et le te chassant. Va-t'en. Dieu, nom de Jésus. In the name of Jesus. S'il y a un esprit humain. Even the human spirit. Qui a incarné un corps. Who has entered a body. Et provoque le vieillissement. And provoke. And lead le mal de genou, le mal de hanche. Knee pains. Qui pense maintenant? Tout esprit humain. Any human spirit. Qui a possédé un corps. Possesses a body. Qui provoque des douleurs, de vieillesse partout. Which cause pain. Portez. Leave. Tout esprit humain qui provoque le mal des yeux, le mal de dos, le mal de gorge, tu es caché dans le dos. Tu provoques le vieillissement. Tu es exposé. Va-t'en. Avec tes maladies. Va-t'en. Sors. Va. Avec toutes tes maladies. Sors. Va. Avec toutes tes maladies. Sors. Va. Avec toutes tes maladies. Sors. Va-t'en. Avec toutes tes maladies. Avec toutes tes maladies. Avec toutes tes maladies. With Garde le calme. Keep quiet. Tends ta main vers les partout où il y a les on chasse les démons. Dis Seigneur, donne-leur la victoire. Lay your hand everywhere that are casting demons. Nous déclarons une victoire totale. Give us a total
victory. Une victoire rapide et totale. A quick victory and a total victory. Garde le calme. Keep quiet. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis si tu es sorcier. Say if you are a witch. Tu voulais te cacher. You wanted to hide. Nous exposons tes œuvres. We expose your work. Ton travail parmi nous est fini. Your work in our midst is over. Tu es venu travailler, nous mettons fin à ton travail. You have come to work and you put an end to your work. Ton esprit, ton âme et ton corps, nous les chassons. Your spirit, your soul and your body, cast them out. Va. Go. Va leur dire. And tell them que Jésus t'a chassé. That Jesus has chased you. Lève ta main droite. Put up your hand. Dis tous les démons. Say all the demons. Tous les esprits impurs. All the unsun. Auteur de la pauvreté. Author of poverty. Tous ces démons. All the demons. Qui provoquent les dépenses. Which provoke expenses. À travers les vols, les maladies. With les pertes, the robbery, the disease, les pertes inexplicables. And the unexplainable losses. Toute l'armée de la pauvreté. All the army of poverty. Nous vous jugeons. We judge you. Esprit de pauvreté. Spirit of poverty. Nous renversons votre royaume. We overthrow your kingdom. Et nous amenons à résistance. And we bring to life les grandes bénédictions financières. Great financial blessings que le Père a libéré pour son peuple. That the Father has released for his father. For nous his vous people. Chassons de notre We cast you out from our hands. Nous vous chassons. We cast you out. Pauvreté. Poverty. Pauvreté. Poverty. Partez. Go, 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 go. Partez. Go, 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 go. Partez. Go, go. Partez. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis nous libérons tous les projets bloqués. So we release all the blocked projects. Nous libérons tous les projets bloqués. We release all the blocked projects. Nous libérons les salaires bloqués. We release all the blocked salaries. Nous libérons les bénéfices bloqués. We release all the blocked Nous libérons les chiffres d'affaires bloqués. We release
Le libérons, le recrutement. Nous libérons le recrutement. Nous libérons les promotions. Nous libérons les promotions. Nous libérons, nous libérons. Nous jugeons la misère. Nous jugeons les démons de misère. Prions alors. Venika Amerika bola kama sengereka halam erebake yakaseme kaseka remekaseka 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 remeka 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 Tu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous nous levons. We stand up. Contre le phénomène de l'oubli et la perte de mémoire. Against the phenomenon of forgetting. Nous restaurons l'intelligence de chacun. We restore the intelligence. Nous restaurons la sagesse. We restore the wisdom. Nous restaurons la réflexion. We restore reflection. Nous restaurons l'analyse. We restore Nous restaurons le décodage. We restore the decoding. Nous restaurons l'intelligence. We restore l'intelligence. L'intelligence. Pour méditer. Méditer. Juger. Examiner. Communiquer. Parler. Convaincre. Nous restaurons tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Dieu nous restaure la capacité de retenir. We restore the ability to keep in mind. 20 ans. Go away. De tous ceux qui ont abandonné les études. Parce qu'on a fermé leur cerveau. All those who have abandoned school. Ils ne comprennent rien. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, vous allez lire, you will read, vous allez comprendre, you will understand, vous allez retenir, keep, vous allez réussir, you will succeed, vous allez réussir. You will succeed. Ora bakashara baka, ora bakashara baka, ora bakashara, ora bakashara. Pose les mains sur ta tête. Dis, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Lord, renew my intelligence. Renouvelle mon intelligence. Renew my intelligence. Renouvelle mon intelligence. Renew my intelligence. Renouvelle mon entendement. Renew my renouvelle mon entendement. Renew my understanding. Oh, Bakashagaba. Oh, Bakashagaba. Oh, Bakashagaba. Oh, Bakashagaba. Ora bakashara ora bakashara Dieu, nous bénissons les semeurs. Say we bless the sowers. Avec la capacité de lire. With the ability to read. De retenir. To keep. De réciter les chants. To mémoriser les chants. To memorize the songs. Un cerveau, une mémoire renouvelée, renouvelée. Renouvelé, renouvelé. Renewed. Dieu, nous prions pour les étudiants. We pray for students qui rédigent les thèses et les mémoires. Who are writing the thèses. Une intelligence renouvelée, renouvelée. Renewed intelligence. Avec des idées pertinentes, pertinentes. With good ideas. Dieu, nous prions pour les élèves. We pray for school. Qui doivent étudier les leçons et réciter, réciter. We pray for people who must. Que la mémoire soit renouvelée, renouvelée. And keep a lesson. Dieu, nous prions pour les chefs d'entreprise. We pray. Nous devons concevoir des stratégies. Nous les délivrons de la paresse intellectuelle. Qui est l'œuvre des démons. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ.
Acclamons Jésus-Christ. Clap. Frère, le monde. Brothers, the world. Est un mystère. Is a mystery. Nous avons découvert que la maladie. We have discovered that disease n'est pas ce que nous voyons avec l'œil. Is not what we can see with our eyes. Une sœur disait que le Seigneur lui avait montré son sein qui avait le cancer. A sister said that the Lord showed a breast which had cancer. C'était les boîtes brûlées, les seringues. It was burst. C'est ça. Nails. Mais au niveau humain, on voit que c'est un mal, c'est un mal. But in humanly saying, we can see that it's a pain, a disease. Angelo dit que dans son ventre, c'était des pneus et des boîtes. Brother Angelo said that in his stomach it was boxes. Mais au niveau humain, on voit le pus. Mais and alors que c'est les morceaux de fer qui sont dedans. We can see the disease, but it was pieces of iron which were inside. Une sœur nous a dit à Tingrela. Une sœur de Ségéla. A sister of Ségéla. De Tingrela, qui s'est retrouvée, je crois, à Ségéla. A sister from Tingrela, which found herself in Ségéla. Ou bien à Korogo, je ne sais plus. Or in Korogo, we don't c'était know exactly. C'était à Korogo. It was in Korogo. Elle avait mal au ventre, elle buvait de l'eau. She had a pain in her stomach. She used to drink water. Et elle nourrit, et les urines ne sortaient pas. And she was not united. C'était pénible. It was painful. Elle a crié à Dieu. She cried out to God. Dieu a envoyé un ange, God deux anges, sent an angel qui ont ouvert son ventre et en tiré un long piton. He opened the stomach and removed a long python. Dès qu'elle s'est réveillée, as soon as she got up, les urines sont sorties. The urine beaucoup, beaucoup. Many, many, et c'était sa délivrance. It was a deliverance. Donc, so, nous allons à ce niveau-là, at this level, appeler notre Père. We are going to call our Father. Nous allons lui dire, we are going to tell him, qu'il connaît notre corps. He knows our body. Il sait là où se trouvent les seringues, ou bien là où il y a le piton. He knows where there are the nails, the pythons. Mais le cri est contre la maladie. But the shout, the cries, is against the disease. Si c'est le vieillissement, if it's oldness, Dieu, notre Père, peut corriger ça. Our Father can correct it. Même si les poumons sont pourris, il peut corriger ça. Even if the lungs are rotten, our Father can correct it. Il a corrigé deux utérus. He has corrected two uterus. Ça a donné un seul enfant. And it gives only one baby. Ce n'est pas que le pied dans cet utérus, la main dans l'autre utérus. It is not that there was the feet in this uterus and the hand in the other one. Quand il agit, when he acts, c'est un enfant saint. Is a holy and a well-fitted baby. Disons à Dieu que même si la maladie a un empire, nous renversons cet empire. Let's tell God that if this disease has an empire, we overthrow this empire. Nous disons notre Père, nous t'appelons au secours. Let us tell our Father that we are calling you at our rescue. Comment quelqu'un peut-il traîner une blessure pendant des années? How can someone keep a wound for years? Comment quelqu'un peut-il vieillir avec les hémorroïdes?
How can someone get old with hemorrhoids? C'est lui, pour lui, c'est comme ça. Il pense que c'est comme ça qu'il doit vivre. And it's for him, it's like this he must live. Comment quelqu'un peut vivre avec l'asthme? How can someone live with asthma? Comment quelqu'un peut vivre avec des genoux? How can someone live with painful knees? Affaibli par la douleur. Weakened by pain. Comment quelqu'un peut-il vivre avec une colonne vertébrale tordue? How can someone live with a bent backbone? Dieu Père! Oh, Father! Écoute-nous. Listen us. Et exauce-nous. And answer us. Nous crions à toi. We cry out to you. Contre ce qu'on appelle maladie. Against what is called disease. Même si c'est un phénomène. Even if it is a phenomenon. Nous crions à toi. We cry out to you. Pour que tu l'anéantisses. So that you destroy it. Et qu'il y ait la paix dans nos corps. And that the peace is our Father. Guéris-nous. Heal us. Quelle que soit la maladie. Whatever the disease. Fais ce soir. Father, tonight. Ce que tu as fait en Palestine. What you did in Palestine. Toutes les maladies. All the diseases. Contaminées. You were sent. Étaient guéries. Was healed. Tu n'as pas changé. You have not changed. Oh, Father. Nous poussons ce cri. We are crying. Contre toute maladie. Against toute maladie, toute maladie, toute maladie, yeah, toute maladie, 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 oh Père, exauce-nous, agis pour nous, dans le nom céleste, agis pour nous, sur la terre, contre la maladie, agis sur nous. Dans le séjour des morts, contre la maladie, agis pour nous. Dans les abîmes, contre la maladie, agis pour nous. Combat pour nous, combat pour nous. Dans les déserts, dans les bois sacrés, dans les fleurs, dans les marigots, dans les rivières, dans les océans, partout où se trouve le territoire appartenant aux esprits des eaux. Agis, combat, détruis. Libère, guéris tes enfants. Oh Père, que des maladies disparaissent. Que des maladies disparaissent. Que les organes détruits soient remplacés. Oh Dieu, tu es notre Père. Tu es notre Père. Change ce qu'il faut changer. Renouveler ce qu'il faut renouveler. Guérir là où il faut guérir. Guérir là où il faut guérir. Continue à prier, continue à prier. Dieu, au nom de Jésus, nous renversons le royaume de la maladie. 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 Et nous bannissons le phénomène de la maladie. Et nous commandons que la maladie disparaisse. Ne te rendons sans demeure. Maladie. Ne te rendons sans demeure. Quitte le corps. Et va-t'en. Ne te jetons dans les abîmes. Prions à l'homme. Le printemps. Pose les mains sur ta tête.
guérisseur divin. C'est divin. Avec toute ton armée d'ange. Oui, bring all your army of angels. Descends sur nous. Come down on us. Descends sur nous. Come on us. Et que le nom de Jésus soit glorifié. And may the name of Jesus. Guérison divine. Divine healing. Descends sur nous. Come on us. Qu'il y ait des guérisons miraculeuses. Let there be miraculous. Qu'il y ait des guérisons miraculeuses. Que toute maladie dite incurable soit bannie. Le cancer est banni. L'hypertension bannie. Les hépatites bannies. Le diabète banni écrasé. La sinusite banni écrasé. Le mal de l'œil gauche banni écrasé. Le mal de l'œil droit banni écrasé. Le cataracte, le pomme, banni, écrasé. Le suffisant rénal, banni, écrasé. La dépanositeuse, banni, écrasé. Le paludisme, banni, écrasé. La fièvre, toutes les fièvres, banni, écrasé. Le mal de gorge. Le mal d'oreille. Banni, écrasé. Les hémorroïdes, jugez, banni. Écrasé, banni. Au nom de Jésus-Christ. Prions la La stérilité masculine, banni, écrasé. La stérilité féminine, banni, écrasé. Guérison totale. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Guérison de toute maladie. Maladie qui n'est même pas nommée. Disease which is not named. Mais toute maladie qui a dépassé la médecine. Any disease which is beyond medicine. Guéri, banni, écrasé. Healed and punished. Dieu Père, tu es roi, tu es grand. Tu es bon, tu es miséricordieux. You are good and merciful. Tu es compatissant. You are merciful. Nous croyons en toi. We believe in you. Et nous sommes en toi. And we are in you. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Dix personnes pour rendre témoignage. We need 10 persons to give a testimony. 10 personnes pour rendre témoignage. 10 people to give a testimony. 10 personnes seulement. Only 10. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Kouadiane, disciple du pasteur Meunier. J'ai une vision très forte que je voudrais partager avec le peuple de Dieu. Quand le pasteur a donné un des sujets où il disait que les gens sont enfermés, je crois, dans l'eau, ceux qui sont dans l'eau, dans les forêts, je voyais beaucoup d'hommes sous l'eau. Beaucoup de personnes étaient enfouies dans l'eau. Et puis, c'est comme si les eaux avaient été ouvertes, les forêts ouvertes, et toutes ces personnes sont sorties. C'était des malades qui avaient été enfermés. Alléluia! Des malades qui avaient été enfermés à ces endroits. Et au fur et à mesure que le pasteur conduisait la prière, c'est comme s'il donnait des ordres. Lui-même, il n'était plus là comme le pasteur, mais comme un médecin, un grand médecin qui était là. Et chaque... Alléluia! Attendez! Et chaque affection avait... concernant chaque affection, il y avait un bureau, plusieurs. Ceux qui avaient le cancer allaient vers là, ceux qui avaient l'hépatite allaient vers là, et tout le monde courait, venez, Dieu nous guérit aujourd'hui. Et chaque... Alléluia. Tout le monde courait, et personne ne voulait rater cette occasion de guérison spéciale. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Gloire à Dieu.
Je suis la sœur Kwaku Aya Lisette, mon frère est ici, son Kwaku Abraham Odin. Je voulais dire merci à Dieu. Il faut dire que de ce qu'on priait, avant que Bobo appelle les âmes, j'étais restée calme. Je voyais qu'ils étaient de me donner de l'argent. Et la chose que la personne était de me donner, c'est comme si ce n'était pas le billet d'ici. Et il a dit que cet argent, ce n'est pas pour moi. Que donnez mon argent. Et là, il a arraché l'argent qui était dans les mains là. Je voulais dire merci à Dieu, lui-même qui m'a délivré de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma deuxième vision, il faisait quand personne me niait prière, quand avant que les hommes sont venus. Et il a dit au nom de Jésus, quand il a dit au nom de Jésus, il y avait un homme qui était en noir. Quand personne me niait à Dieu, au nom de Jésus, il est tombé. Vraiment, il a dit merci à Dieu, lui qui m'a monté cette vision, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ? Souvent. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Koudou Ange, je disais, d'ici le moment Marguerite Lombé. Je voulais dire merci à Dieu. Quand je venais à la prière, il sortait une douleur de tête. Puisqu'on était passé à l'infirmerie, il m'a donné comprimé. Mais la douleur continuait. Quand papa m'a commencé à prier, Dieu m'a guéri totalement de cette douleur. Il a enlevé une douleur aussi que c'était dans mon bras. Que toute la gloire revienne. Amen. Guérison authentique. Il dit ceux qui refusaient le mariage, et il y en a intensément prié sur ça. Et parmi les 10 sujets, il faut dire le mariage, je refusais. Je ne veux pas qu'on parle de ça, mais comment faisait le disciple parler de ça? Je suis un peu énervé. Et il faut dire, le jour-là, il a dit d'écrire les 10 sujets. Et quand je me suis levé, mon premier sujet était le bac. Et le deuxième sujet, il a dit que Dieu m'accorde le mariage. Et quand on a commencé à prier, j'ai vu que j'étais sous l'eau, en profondeur. J'étais en bien en robe de mariage, mais j'étais emprisonné en bas de l'eau. Et aujourd'hui, lorsque le pasteur Meni a commencé à prier en cassé, en brisé, les démons se sont manifestés et l'équipe de délivrance. Quand ils ont commencé à prier, j'ai vu que le pasteur Meni venait avec sa délégation et il tenait la clé comme ça, il a ouvert la porte, il a dit c'est fini, tu es délivré. Je voulais dire merci à Dieu pour cette délivrance. Jesus Amen. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Géa Esther, j'ai pour faiseur de disciples le pasteur Tina Alain. Et j'aimerais vraiment être reconnaissante au Seigneur, lui qui m'a guéri. Quand je venais à la prière, je sentais une forte douleur au bas-ventre. Et pendant qu'on priait, à la fin de la prière, j'ai fait des gestes, je ne sens plus la douleur. Et aussi, j'avais une douleur à l'épaule. Et quand il disait que les démons, vous allez sentir les démons partir à travers les douleurs. Et je sentais une forte douleur dans mon épaule. Et je disais à ma tante que je ne pouvais pas bouger mon épaule. Et après la prière, j'ai fait des gestes. Et la main que je ne pouvais pas bouger, je peux bouger ma main. Et je suis guérie. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Amen. Jesus of Nazareth. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kumba David et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Benezer Yapo. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri. Depuis ce matin, quand je me suis réveillé, je sentais une forte migraine et tout mon corps me faisait mal. J'avais froid, une très forte fièvre. Et quand je suis arrivé, après la prière, tout cela a disparu, les coups battus, tout a disparu. Donc je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus-Christ, souvent. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kessy Caroline, et professeur de disciples Bézo Chantal. Et je dis merci au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit de mort tout à l'heure. Quand le pasteur parlait, on priait sur l'esprit de mort qui a envoyé le palu raffiné. Et j'ai vu un esprit qui a la bouche ouverte. Et après, c'est devenu un crâne. Et dans la bouche du crâne, la bouche était doublée. Gloire à Dieu. Et quand ils ont commencé à prier, ça a disparu. Et après, je suis devenu faible. Et on m'a amené au lieu de la délivrance. Quand ils ont jugé la nourriture envoûtée, les sacrifices faits contre moi, ils ont commencé à vomir. Et je me suis retrouvée forte. Et mes forces sont revenues à moi. Donc j'ai dit merci au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit de mort. Hier, je n'ai pas pu venir à la croisade. Tout ici était faible, tous mes pieds étaient faibles. Je suis resté là-bas jusqu'à 19h. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de mort. Je lui dis infiniment merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, souvent. Gloire à Dieu.
Moi, c'est la sœur Agnès. Mon faisait de disciples, c'est pasteur Yahweh et si Frank Tana. Je vais bénir le nom du Seigneur Jésus quand il m'a délivré tout à l'heure. En venant, il dit, Seigneur, aujourd'hui là, demain, on va rentrer sur Kwasi Dategourou. Donc, Fado, qu'il est chargé pour venir là. Il ne faut pas qu'il y ait une retenue. Ça. Alléluia. Je ne vois pas mes mensurés. Ça fait au moins 10 ans. Alléluia. Ce n'était pas facile pour moi. Quand je passe même là, pour arrêter d'envoyer là, mais je n'étais pas. Alléluia. Il m'a depuis 2007. 2017, mais pour gagner un enfant, là, je lui dis, mais quand je cherche femme et puis il est quitté, alléluia, il n'y veut pas, jusqu'à en envoyer église là même aussi à Datekuro, c'est lui qui est dirigeant de là-bas, alléluia. Donc, dit sujet là, quand papa dit encore se lever pour prier, il a enlevé mes choses là pour déposer, Dieu aujourd'hui là. Demain, il rentre sur Date Kourou, il pas rentré avec ça là. Et pour qu'on a commencé à prier, il a fermé les yeux, il a vu une vieille femme, elle est couvrée à une panne, et puis par terre comme ça, elle est quittée en moi, et puis elle est par terre. Alléluia. Donc je vais dire infiniment merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, m'a délivré. Et je ne vois pas les mesures, je n'ai pas d'enfants, tous mes soeurs, elles sont mariées, elles ont deux enfants, trois enfants. Moi, je suis là, grand soleil, je n'ai pas d'enfants. Souvent, quand je pense à ça, je prépare, mais je n'arrive pas à manger. Je bénis son nom quand il laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fini. Gloire à Dieu. C'est moi, fini. C'est la sœur Baréko Mireille. Mon faisait dit, c'est la sœur précieuse de Grand Bérubi. Je lui ai dit merci à Dieu pour avoir délivré mon papa. Parce que mon père, depuis qu'on est petit, quand il travaille, il ne voit pas son argent. La pauvreté a pris mon père. Même maison, il a construit son panneau. Non, dis seulement ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, quand on priait, on était assis là-bas. On a commencé à prier, pas encore prier pour la pauvreté. Il a prié, puis il a commencé à crier non de mon père. Maintenant, un coup, Dieu m'a montré devant la porte de mon père. Il était arrêté, puis un vieux qui est sorti de la maison de mon père. Il avait un sac chargé, puis il a pris tout où il était assis là. Puis il était assis dans la chambre de mon père. Il a pris le carton où il était assis, et puis il est parti. Quand il est parti, la maison de mon père qui était en panneau, c'est revenu en Dieu. C'est le dit merci à Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie de mon père. Que son nom soit béni. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Tala Binesi Bénédite. Mon frère d'ici, c'est le frère Denis Tala. Je voulais dire merci à Dieu parce que tout à l'heure, quand on était en train de prier, j'ai vu un gros serpent qui était sur cet espace-là. Il pouvait partir de là jusqu'à là. Et il était gros. Et quand le pasteur Boniface a commencé à juger les serpents qui étaient en train de résister, j'ai vu un éclair qui a fondu son ventre. Et tout ce qui peut rendre un homme heureux était dans son ventre. Il y avait de l'argent, des diamants, les diplômes, les ardoises, toutes sortes de choses. Il y avait tous les bagues de mariage, tout ça. Et après ça, à mesure que ces choses-là sortaient de son ventre, il devenait de plus en plus petit. Et quand le pasteur Boniface a fini de prier, il a disparu. Je voulais dire merci au Seigneur pour cette délivrance qu'il nous a accordée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Léontine Bomo. Mon frère de disciple, c'est pasteur Francis de Cotobi. Comment il dit merci à Dieu, Seigneur, qui a permis que je sois à Tiekwa cette année. Quand il venait, il a dit à Dieu que tout ce qui me charge, que Dieu même me délivre. Et il faut dire que quand on a commencé la prière, mon cœur me faisait mal. C'était lourd, ça me faisait mal. C'est comme il a fait quelque chose, il avait peur. Et il faut dire que quand papa Amini a commencé à juger les démons, et j'ai vu qu'il y avait un homme qui m'a attrapé, qui a attrapé mon cœur, qui a attrapé mes habits. Sa tête était coiffée, comme ils ont mis belle de qualité dessus. Et j'ai vu un trou devant moi, long comme ça. Et j'ai dit, au nom de Jésus, laisse-moi. Et il m'a laissé le tomber dans ce trou. Jésus. Et le trou est fermé. Vraiment, j'ai dit, grand merci à Dieu, Seigneur, tu m'as délivré. Allez, toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je suis Maman Grâce Emmanuel, disciple du pasteur Biaïchal. Tout à l'heure, lorsque le pasteur parlait de prier pour les démons qui étaient à la base des maladies, j'ai eu une douleur forte, tout ce côté-là. Ça m'a fait terriblement mal, comme si j'allais même
m'asseoir par terre. Mais quand on a fini de prier, la douleur a disparu. Jésus je vais rendre gloire Jesus à Christ. Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est Esmaël Amari Marceline. Et mon fils est des disciples, parce qu'on a Mathieu. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu qui a permis que je sois à Tiekoua cette année. Il faut dire non que quand papa attend de prier pour le maladie, ce n'est pas aussi mis maladie dans le corps. Il faut que 2008, je prends grossesse, ça n'arrête pas. Si je prends grossesse, le mois qui va venir, ça fait un mois, ça tombe. 2008 jusqu'à quand j'ai pris l'enfant que j'ai eu aussi est décédé. Mais aujourd'hui, pendant que papa attend de prier, j'ai senti quelque chose qui est en train de défiler dans mon ventre. C'est sorti ici et la douleur est disparue. Maintenant, quand il attend de prier pour la pauvreté, oui, tu me vois comme ça, je demande à Dieu et puis je porte. Tout ce que je travaille, je n'avance pas. Oh Dieu, mon Jésus, le Jésus-Christ m'a délivré. Oh, je ne sais pas ce que c'était. C'était, je ne sais pas, quelque chose de mieux était sorti comme ça en moi. Oh, je devais le jeter quand je me progressais pour travailler. Ça marche, mais je n'avance pas. Je suis dans mon coin. J'aimerais m'asseoir dans la rue pour demander l'argent pour que je mange. Hey, où je suis assis? En train d'arrêter pour te vous parler, les soeurs, frères. Je demande à Bill et puis je porte. C'est quoi le porte qui a délavé, c'est ça, je porte. Mais ce qui est si moi-même là, c'est bon, attendez. Et je dis gloire à Dieu, je lui remercie. Parce que c'est lui-même qui a permis que je vois à Tiekoua. Je lui dis merci, car il a enlevé la pauvreté. Si moi, je lui rends la gloire. Que toute la gloire le revienne, mon Dieu. L'éternel des armées, la fin et l'oméga. Les yeux qui ferment, et lui ne peut ouvrir. Les yeux qui ouvrent, que lui ne peut fermer. Je lui dis merci. Merci papa, à toi aussi. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Nous conduis toujours dans la prière. Je te dis merci. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sabine Dogo. Mon frère disciple, c'est papa Kwawe Emmanuel de San Pedro. Alléluia. Lorsque nous étions en train de prier et combattre l'esprit de mort, j'ai vu ma fille du nom de Dogo Anne. Je voyais des personnes qui la traînaient à terre sans pitié et qui partaient avec elle. Et arrivé quelque part, il y a un monsieur qui s'est arrêté et qui a demandé, vous partez où avec elle? Et il n'arrivait pas à parler. Et le monsieur a dit, stop, alléluia. Et il a récupéré Anne. Alléluia. Amen. Et vraiment, j'ai compris que ma fille, parce qu'actuellement, elle a, comment on dit, le soir, elle est malade, elle a froid, elle ne se sent pas bien, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle a. Mais ce soir, j'ai compris que le Seigneur l'a délivrée de l'esprit de mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je m'appelle Kwaku Abenan Rachel, j'ai pour faire du papa Dominique. Je bénis le nom de Dieu. Parce que ça fait 6 ans, je sens des malaises au niveau de mes mains. Mes mains chauffent, du crampe, des douleurs. En tout cas, je ne peux pas dormir dans les nuits. Je bénis le nom de Dieu quand on priait sur l'envoûtement. En tout cas, mes deux mains se sont tendues, je ne pouvais pas les plier. Et je sens que je suis délivrée. Amen. Et le dernier sujet, quand on priait sur les malades, au niveau de mon cœur, mon dos, on dirait que c'est flèche qui est dedans. Je ne pouvais rien faire. Lorsqu'on priait, jusqu'à quand on disait Amen, tout a disparu. Vraiment, je dis merci à Dieu. Jesus. Lui qui m'a délivré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwaku Akisi Catherine. Et j'ai pour faiseur de disciples Maman Rachel de Konzak Miezan. Vraiment, il faut dire que je suis malade. Maintenant, quand j'étais venue ici, avant de venir au temple chaud à la prière ici, j'avais attaqué une fièvre
Et vraiment, quand papa a commencé à diriger les sujets, j'ai vu que la fièvre m'a lâché. Et j'avais l'hypertension aussi. Et quand il a commencé à prier, j'ai vu que je ne sentais plus les symptômes de la tension. Voilà pourquoi je veux lui dire merci. Et mon deuxième témoignage, encore, ça fait peut-être 10 ans, ça me va beaucoup même. Et un certain moment où moi je suis toutes les femmes, quand ils s'en vont uriner, si ce n'est pas dans le WC, ils s'assèrent, ils s'accroupissent, ils s'abaissent. Mais moi, maintenant, je suis comme garçon. Je ne peux pas, mais je ne me permets pas de m'abaisser pour pisser. Et aujourd'hui, vers les 16h17, là, et je suis descendue là-bas. Donc les gens étaient là-bas. J'ai dit, je vais expérimenter la foi là aussi. Parce que depuis, moi, femme, là, je pisse comme garçon. Donc, je vais voir si je peux, Dieu m'a délivré, que je peux m'abaisser. Et quand j'ai essayé, j'ai pu m'abaisser, j'ai pissé comme les autres femmes. Donc, voilà, je veux bénir grandement le nom de l'Éternel qui m'a délivré. Et je bénis l'homme de Dieu aussi. Alléluia. Papa, il faut que je m'abaisse, je suis délivré. Quand papa a dit Saint-Lucas, on a donné maladie à son céleri. Papa, il faut que je m'agenouille, je suis délivré. La maladie que j'ai, c'est la sorcellerie. Je ne sais pas comment faire. Quand j'explique, personne ne sait. Mais aujourd'hui, papa, je suis délivré. Et le papa. Acclamons Et puis mon papa m'a envoyé quelque part. Ils ont fait canaris. Ils ont dit chien, chat. Oh Seigneur, papa, tu t'es libre. Tu vas écrire le témoignage. Oh Seigneur, merci. Oh merci. Je suis délivré. J'ai senti une grande puissance qui est rentrée en moi. Merci, papa. Oui. Que Dieu te bénisse. Eh bien, te bénisse. Merci. À demain. See you tomorrow. Comme ça, protège l'héritage. May God protect the inheritance. Que tout ce que tu as bâti soit gardé dans le sang de Jésus. All that you have built should be kept. Que ce qui a été renversé ne soit jamais rebâti. All that is overthrown. Que ce qui a été bâti ne soit jamais renversé. Should not be built again. Merci.